sommes donc dans un viewer 3D qui permet de contextualiser l'ensemble des informations produites de manière dynamique par l'ensemble des systèmes du data center, qu'il soit un système GTB, IoT ou par un système IT, c'est-à-dire directement les serveurs DB installés dans ce data center. Premier exemple d'utilisation d'une application est l'affectation des racks. J'ai donc configuré cette application où j'ai mis en place les noms des sociétés possédant les racks. J'y ai associé un code couleur et cela me permet maintenant de visualiser cette information de manière contextualisée dans la 3D. Autre information intéressante, c'est cette capacité à cliquer sur les racks ou un autre objet de la 3D et d'ouvrir un menu qui va me donner un certain nombre d'informations. Voici quelques exemples. Tout d'abord, je souhaiterais avoir un peu plus d'informations sur ce rack en particulier. Je vais donc aller, par exemple, dans les attributs. Dans ces attributs, je vais pouvoir aller récupérer l'ensemble des informations que j'ai souhaité intégrer à cet objet. J'ai donc la référence du rack, son modèle et d'autres informations de type date d'installation, fin de garantie et autres. Toutes ces informations ici peuvent être customisées, soit directement ici en ajoutant des attributs ou des catégories. Un exemple ici, je vais ajouter un attribut à la catégorie installation. Cet attribut, je vais l'appeler date d'installation et je vais lui donner une valeur, c'est-à-dire la date, par exemple, d'aujourd'hui. Je l'installe aujourd'hui. Donc, nous sommes le 13 mars 2020. Vous voyez que cette information s'est ajoutée. Je peux également récupérer l'ensemble de ces informations de manière automatisée à partir de la maquette numérique réalisée de base. Autre information intéressante, ce sont les documents associés à cet objet et donc à ce rack dans ce cas précis. Je vois que je peux ajouter des URL qui vont m'ouvrir une documentation en ligne ou, dans ce cas-là précis, me le télécharger. Je peux également héberger les fichiers directement sur la plateforme et donc venir télécharger mon instruction technique. Autre fonction possible, je peux ajouter des notes. Je pourrais donc l'associer à un système de messagerie de type Slack et envoyer un message à une personne en particulier. Je peux également visualiser des informations dynamiques, temps réel, provenant de cet équipement. Ici, nous sommes encore dans un exemple d'un rack, mais nous pourrions également avoir ça sur n'importe quel équipement du data center, notamment les automates GTB, le contrôle d'accès, le système de sécurité incendie et autres. Ici, je vois que l'AB me renvoie quatre informations. Une information de température qui vient juste de se mettre à jour, une information d'humidité, une information sur sa consommation électrique et une alarme. Je peux également ici visualiser des charts sur, par exemple, une température sur un historique. Je peux également mettre à jour l'historique et visualiser cette même information sur plusieurs heures ou plusieurs journées. J'ai également la possibilité de customiser ma vue. Autre application intéressante concerne la visualisation de heatmap. Encore une fois, j'ai créé un groupe dans lequel j'ai mis un certain nombre de racks et j'ai associé à ce rack, comme vous avez pu le voir, des mesures générées par ce rack. Et maintenant, je voudrais visualiser cette information sous forme de heatmap, de carte de chaleur. Vous voyez que les racks se sont mis à jour. Ici, je visualise des données de température. Je peux visualiser d'autres types de données. Tout ça est configurable. Encore une fois, nous avons paramétré cette application pour se focaliser sur le rack. Nous aurions pu faire la même chose sur un sol qui pourrait être délimité par pièce. J'aurais pu faire ça sur d'autres types d'installations comme des automates, des équipements, une CTA et tout autre type de système et d'équipement du bâtiment. Cet outil vous permet donc de centraliser l'ensemble des informations générées par votre bâtiment, que ce soit des informations provenant d'éléments terrain comme des éléments IT. Ces informations sont visualisables notamment au travers de la visualisation 3D afin de contextualiser l'ensemble des informations. Vous pouvez également visualiser l'ensemble des informations recueillies sous forme de dashboard beaucoup plus classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.